Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ce matin? Ça va bien? Tu as passé une bonne nuit? Mon petit trésor. T'es adorable. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Et donc, bah écoutez, il est 9h. Je viens de me lever. Je me suis fait un café. Je vous le montre. Tadam. Et donc, je vais le boire tranquillement. Et après, je vais partir. Je vais aller à Cannes parce que, bah, vous savez, à 11h30, j'ai ma séance. Et du coup, voilà, j'ai trop hâte. Il fait un temps de chiottes aujourd'hui. Il fait tout gris, il pleut. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça va être une bonne journée. Ta gueule, toi. J'arrête de m'imiter dans le fond. Hein. Tu sais ce qu'on dirait? On dirait dans le film Scooby-Doo, les monstres qui rigolent. Bon, en tout cas, je vous laisse. Je vais boire mon café tranquille et puis après, on va y aller. Ah, bon, bah écoutez les gars, ça y est, je suis dans la voiture. Je pars direction Cannes. Et bah, c'est parti, on y va. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Ça y est les amis, je me dirige vers le tatoueur. Je suis un peu à la bourre parce que j'ai pas trouvé de place. Donc j'ai dû aller me garer dans un parking souterrain. Donc je vous laisse, je vous fais le bisou et je vous dis à tout à l'heure. Voilà les amis, la séance est terminée, il est 16h moins le quart, hein. J'ai commencé à 11h30. Ta-da ! Je suis tellement contente, mais tellement contente. Enfin bon, là on voit pas grand chose, je suis dans le parking souterrain, je vais y aller, j'espère que je vais pas payer trop cher de parking souterrain parce que je suis resté quand même longtemps. Donc bon, croisons les doigts. Et puis, ben voilà, je vous le montrerai plus en détail quand je serai rentrée, etc. Mais je suis tellement contente. Donc voilà, j'ai dégusté. C'était intense, mais c'était cool. Donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Bienvenue dans la minute vintage du jour. Et aujourd'hui, j'ai un petit gilet à vous présenter. Qui est une pure merveille que j'aime énormément de tout mon cœur. En toute honnêteté, je l'aime tellement parce que je l'ai cherché pendant tellement longtemps. Et un soir, il est apparu et je l'ai acheté enfin. Et j'étais tellement heureuse que j'ai failli faire une danse de la pluie parce que vraiment, ce gilet, je l'ai cherché. Je l'ai vraiment cherché. Donc, pas plus de blabla, je vous le montre tout de suite. Et ta-da ! Alors je sais que ça plaira pas à tout le monde, comme d'habitude, parce que là on est sur un truc très fluo, très coloré, très fleuri, avec encore plus de fleurs dans le dos, des broderies partout, des couleurs partout, ce gilet, c'est un chef d'œuvre. Je le trouve magnifique, je trouve qu'il respire la bonne humeur, il est coloré, il est floral, il est jovial, vous avez vu leur manchure en espèce de fausse fourrure bleue là, c'est magnifique, mais il est magnifique. Regardez-moi ces fleurs là dans le col, on dirait des napperons. Et puis les couleurs quoi, ça fait tellement fluo. Et puis ces fleurs là comme ça, brodées avec, et puis ces boutons qui sont magnifiques. J'aime ce gilet, si vous saviez à quel point. Regardez les fleurs dans le dos là avec les cœurs et tout. C'est multicolore, c'est funky, et puis regardez la forme du bas. Vous avez vu, ça fait comme des pétales de fleurs encore, c'est sublime. Et c'est pourquoi je porte une robe bleue aujourd'hui pour aller avec, parce que Fran Fine l'a porté comme ça, je vous le spoil. Et donc il s'agit d'un gilet Michael Simon, ou Michel Simon, dit à la française. Je sais pas exactement comment ça se prononce, mais c'est magnifique. Et donc il s'agit d'une taille 1, mais en toute honnêteté, Michel Simon, je crois que 1 c'est S, 2 c'est M, 3 c'est L, enfin bref. Donc là, soi-disant, j'ai une taille S, mais je peux vous dire qu'il me va
Tout à fait, il est, c'est carrément correct, parce que bon, après, vous savez, c'est du crochet, donc c'est un peu élastique, quoi. Donc c'est parti, j'arrête de blablater et je vous le montre porté. Et tada, le voici porté, le ravissant petit gilet. Il est fabuleux. Je l'aime tellement. Alors oui, encore une fois, ça ne sera pas au goût de tout le monde, parce que c'est vrai que c'est très funky, c'est très coloré, c'est très... c'est du crochet, c'est bizarre. Mais je le trouve fabuleux. Il respire la bonne humeur, c'est nostalgique. Je sais pas, ça m'évoque des souvenirs. Je le trouve magnifique, ce petit gilet. Puis la forme du gilet en bas, comme ça. J'adore. J'aime énormément ce gilet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime du fond du cœur. Et donc Fran Fine, comme je vous l'ai dit, a porté ce gilet dans la série Une Nounou d'Enfer. Je vous mettrai une image juste ici. Et voilà, je suis obsédé par ce gilet. J'adore la marque Michael Simon en général. Je trouve qu'ils font des petits cardigans et tout absolument magnifiques. Mais celui-là, je pense que c'est mon préféré de Michael Simon, parce qu'il est... Il est jovial, il est festif, il est funky, il est ravissant. Et donc, vous aurez peut-être pu remarquer sur la photo de Fran qu'ils ont enlevé pour la série tous les boutons qu'il y a là. Mais je sais pas pourquoi, parce que moi je les trouve mignons. Ma foi. En tout cas, je suis ravi d'avoir partagé ce merveilleux gilet avec vous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle pièce vintage. Mmh. Ah bah les amis, je vous reprends rapidement ici avant d'y aller, parce que là je vais aller chercher Sarah, mais je vous prends 5 minutes pour vous montrer la merveille. Non mais je suis tellement ravi, regardez. Bon bah là ça fait bizarre, c'est sûr, parce que le nouveau il est tout noir et l'ancien il est couleur tatouage cicatrisé, quoi. Mais quand il sera tout uniforme de la même couleur, il sera tellement joli. C'est tellement beau. Je suis tellement contente. Enfin, j'ai fini ce tatouage. Mais je suis ravi. Je trouve magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, écoutez, je vous mettrai l'adresse du salon dans la barre d'infos. C'est 28 avenue Villambrosa, à Cannes. C'est pas du tout un partenariat, je l'ai payé, d'accord, avant que quelqu'un me fasse la remarque. Mais waouh. Donc je me suis fait tatouer par Luna, donc qui est la collègue de la tatoueuse qui m'a fait celui-là. Et franchement, rien à dire. Bon, j'ai été hyper casse-couille. J'ai été très casse-couille. Je m'en excuse auprès d'elle. Je me suis excusé à la fin de la séance. J'ai été très casse-couille, mais je voulais qu'il soit parfait, parce que ça fait tellement d'années que je l'attends, et ça fait tellement de... Enfin, j'ai fait le dessin moi-même, je l'ai peaufiné, je l'avais dans la tête et tout, que je voulais qu'il soit comme dans ma tête, et c'est un succès. Il est absolument magnifique, j'en suis ravi. Bon, bien sûr, il y aura des petites retouches à faire, hein, ça c'est sûr, donc j'y retournerai dans 1 ou 2 mois pour faire les retouches, mais déjà... Waouh. Non mais waouh. Alors on voit encore un petit peu ici l'ancien tatouage, mais franchement ça me choque pas, ça me choque pas vraiment. Je suis tellement contente, je trouve ça tellement sexy, je trouve ça tellement raffiné, c'est beau, c'est Rihanna vibes, j'adore, voilà. Donc écoutez, dites-moi ce que vous pensez de mon tatouage terminé. Moi j'adore, je trouve que ça fait un petit peu mitaine, tu sais, j'adore la forme, j'adore le... Rien à voir avec celui que j'avais avant, qui était vraiment grossier et mal placé et compagnie. Pour vous dire, là, j'ai le... Comment ça s'appelle le schéma en violet, là, qui pose... Le stencil, je crois que ça s'appelle comme ça. Elle m'a posé le stencil 5 fois. Parce que j'étais toujours là en mode « Non, là, ça va pas. Non, là, ça va pas. Non, là, ça va pas. » On a repris des trucs avec le feutre. On a... Enfin, vraiment, j'ai été très casse-couille. J'ai été très casse-couille, mais parce que je voulais qu'il soit parfait. Et je suis ravi du résultat.
Donc voilà, maintenant je vais me dépêcher, je vais aller chercher Sarah. Comme je vous ai dit, on va aller chez moi se faire une petite soirée tranquille entre filles. Et puis voilà, je vous reprendrai un petit peu plus tard. Je vous fais plein d'énormes bisous et j'espère que mon tatouage vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que sous la vidéo d'hier, alors j'ai pas pu tout lire et tout parce qu'aujourd'hui, bah, j'ai pas arrêté de 11h30 jusqu'à 16h, ça a duré ce truc. Donc j'ai parcouru vite fait un petit peu les commentaires, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions pour la FAQ, donc demain je pense que ça va être cool, on va s'amuser. Voilà les amis, donc je vous laisse et je vous dis à plus tard. Coucou. Comment te portes-tu? Ben ça va, ça va. Donc voilà les amis, nous sommes de retour au bercail et je voulais vous présenter mes fleurs de Noël. Voilà, ça c'est des fleurs que j'adore. Ça fait partie de mes fleurs préférées et c'est ma mère qui me les a données. Voilà, donc je les ai mis au centre de la table et je les trouve magnifiques. Pour notre petit rencard. Non, je... Pour notre petit rendez-vous galant. Non, je... Donc bah écoutez, là on se pose tranquille un petit peu, on vient d'arriver. Donc moi je me suis pris une petite douchette et puis après on va descendre se chercher McDo. Ça c'est notre rituel quand on passe une soirée ensemble, on se prend un petit McDo. Voilà, les gens ils vont péter un câble. Hein. Parce que si tu manges McDo, là, ça fait genre 3 fois d'affilée que je bouffe McDo. Enfin, pas d'affilée, mais ça fait 3 fois que je bouffe McDo dans Hier soir, t'as mangé. Ah non, t'as fait la recette du poulet. J'ai fait des légumes hier soir, donc ça va, je suis pardonnée. Donc bon, on a déjà fait la commande en ligne et tout, et puis après, on ira la chercher tranquillement. Donc, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Et alors, mon petit trésor, c'est l'heure de manger? Oui, tiens, très excité, Pablo. Vas-y. Petit peu. Tu t'es coincé le pied? Ah non, c'est bon. Voilà. Bon, vous voyez rien du tout, mais il va manger. Bon appétit, mon petit cœur. Et voilà, nous, notre dîner. Donc, le McDo qu'on a attendu pendant une demi-heure, le McDo. Enfin, c'était n'importe quoi, il s'était complètement perdu. Mais bon, voilà, on va s'empiffrer parce que moi, j'ai rien mangé de la journée, les amis. Là, franchement, je commence à me sentir frêle. Ah oui. Je me sens pas bien. Donc voilà, je vous laisse, on va manger et je vous dis à plus tard. Re tout le monde, bah écoutez, la soirée touche à sa fin. Sarah vient de partir, il doit être 1h du matin je pense. Donc honnêtement, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais je monterai ce vlog demain parce que là, j'ai pas la foi de monter le vlog du jour. Franchement, j'ai pas la foi. J'ai juste envie de sauter dans la douche, me démaquiller et me mettre au pieu devant une petite série et m'endormir. Franchement. En plus, on a bu du vin, donc je suis pas très en forme pour monter le vlog, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, écoutez. Sur cette dernière gorgée, je finis mon vin toute seule. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Moi, j'ai passé une excellente journée. Bon, même si la majorité de ma journée s'est passée dans le salon de tatouage à souffrir. Mais c'était génial. Mon tatouage est fait. Ce tatouage que j'attends depuis 2018. Enfin, il est là. Donc bon, c'est pas tout à fait fini. Il manque quelques petites retouches. Il sera plus beau quand il sera cicatrisé parce qu'il sera de la même couleur que le reste. Là, il est un peu plus foncé. Ça fait un peu bizarre, mais... je suis tellement heureuse. Mais tellement heureuse depuis le temps que j'attends de finir ce truc. Vous savez même pas, c'est un truc de dingue. Enfin bref, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Vous l'aurez demain dans la matinée. Je le montrerai dès que je me lève. Et puis je vous embrasse encore 1000 fois. Je vous remercie de suivre mes vlogmas. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Mouah.